Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de lecture. J'espère que vous allez bien. Alors, vidéo qui sera peut-être un peu erratique. Vous allez voir notamment à un moment donné, vous allez avoir l'image qui va disparaître, mais vous aurez toujours le son. Bon, j'ai quand même décidé de conserver le plan parce que je pense que le plus important, c'est quand même le son. Donc, tant pis, je vais disparaître momentanément de l'image et réapparaître à la fin. Voilà. Bon, quelques petits problèmes, mais bon, malgré ça, j'espère que ça ne nous empêchera pas d'apprécier cette lecture. Donc aujourd'hui, nous allons continuer La Reine des Neiges d'Andersen et nous allons lire la quatrième histoire qui s'appelle Prince et Princesse. Bientôt, Gerda dut s'arrêter de nouveau. Elle n'avait plus la force d'avancer. Pendant qu'elle se reposait un peu, une grosse corneille, perchée sur un arbre en face d'elle, la considérait curieusement. La corneille agita la tête de droite et de gauche et cria « Crac, crac, tac, tac !» C'est à peu près ainsi qu'on dit bonjour en ce pays. Mais la brave bête avait un mauvais accent. Si elle prononçait mal, elle n'en était pas moins bienveillante pour la petite fille et elle lui demanda où elle allait ainsi, toute seule, à travers le vaste monde. Gerda ne comprit guère que le mot « toute seule », mais elle en connaissait la valeur par expérience et se rendit compte de la question de la corneille. Elle lui fit le récit de ses aventures et finit par lui demander si elle n'avait pas vu le petit quai. L'oiseau, branlant la tête d'un air grave, répondit « Cela pourrait être, cela se pourrait. « Comment, tu crois l'avoir vu ?» s'écria Gerda, transportée de joie. Elle serra dans ses bras l'oiseau qui s'était approché d'elle. Elle l'embrassa si fort qu'elle faillit l'étouffer. « Un peu de raison, un peu de calme, » dit la corneille. « Je crois, c'est-à-dire, je suppose, cela pourrait être. « Oui, il est possible que ce soit le petit quai. Je ne dis rien de plus. « Mais en tout cas, il t'aura oublié, car il ne pense plus qu'à sa princesse. « Une princesse, » reprit Gerda. « Il demeure chez une princesse. « Oui. Voici la chose, dit la corneille. Mais il m'est pénible de parler ta langue. Ne connais-tu pas celle des corneilles? Non, je ne l'ai pas apprise, dit Gerda. Grand-mère la savait. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas enseignée? Cela ne fait rien, repartit la corneille. Je tâcherai de faire le moins de fautes possible. Mais il faudra m'excuser si, comme je le crains, je pèche contre la grand-mère. Contre la grand-mère, pas la grand-mère. Et elle se mit à conter ce qui suit. Dans le royaume où nous trouvons règne une princesse qui a de l'esprit comme un ange. C'est qu'elle a lu toutes les gazettes qui s'impriment dans l'univers et surtout qu'elle a eu la sagesse d'oublier tout ce qu'elle y a lu. Dernièrement, elle était assise sur son trône et, par parenthèse, il paraît qu'être assis sur un trône n'est pas aussi agréable qu'on le croit communément et ne suffit pas au bonheur. Pour se distraire, elle se mit à chanter une chanson. La chanson était par hasard celle qui a pour refrain « Pourquoi donc ne me marierais-je pas ?»« Mais en effet, se dit la princesse, pourquoi ne me marierais-je pas ?» Seulement, il lui fallait un mari qui sût parler, causer, lui donner la réplique. Elle ne voulait pas de ces individus graves et prétentieux, ennuyeux et solennels. Au son du tambour, elle convoqua ces dames d'honneur et leur fit part de l'idée qui lui était venue. C'est charmant, lui dirent toutes. C'est charmant, lui dirent-elles toutes. C'est ce que nous disons tous les jours. Pourquoi la princesse ne se marie-t-elle pas? Tu peux être certaine, ajouta ici la corneille, que tout ce que je te raconte est absolument exact. Je tiens le tout de mon fiancé qui se promène partout dans le palais. Ce fiancé était naturellement une corneille apprivoisée, car les corneilles n'épousent que les corneilles. Bien, reprenons notre récit. Donc, continua la corneille, les journaux du pays, bordés pour la circonstance d'une guirlande de cœurs enflammés, entremêlés du chiffre de la princesse, annoncèrent que tous les jeunes gens d'une taille bien prise et d'une jolie figure pourraient se présenter au palais et venir deviser avec la princesse. Celui d'entre eux qui causerait le mieux
et montrerait l'esprit le plus aisé et le plus naturel, deviendrait l'époux de la princesse. Oui, dit la corneille, tu peux me croire, c'est comme cela que les choses se passèrent, je n'invente rien, aussi vrai que nous sommes ici l'une à côté de l'autre. Les jeunes gens accoururent par centaines. Mais ils se faisaient renvoyer l'un après l'autre. Aussi longtemps qu'ils étaient dans la rue, hors du palais, ils babillaient comme des pies. Une fois entrés par la grande porte, entre la double haie des gardes chamarrés d'argent, ils perdaient leur assurance. Et quand des laquais, dont les habits étaient galonnés d'or, les conduisaient par l'escalier monumental dans les vastes salons éclairés par des lustres nombreux, les pauvres garçons sentaient leurs idées s'embrouiller. Arrivés devant le trône où siégeait majestueusement la princesse, ils ne savaient plus rien dire. Ils répétaient piteusement le dernier mot de ce que la princesse leur disait, ils balbutiaient. Ce n'était pas du tout l'affaire de la princesse. On aurait dit que ces malheureux jeunes gens étaient tous ensorcelés et qu'un charme leur liait la langue. Une fois sortis du palais et de retour dans la rue, ils recouvraient l'usage de la parole et jasaient de plus belle. Ce fut ainsi le premier et le second jour. Plus on en les conduisait, plus il en venait. On eût dit qu'il en sortait de terre, tant l'affluence était grande. C'était une file depuis les portes de la ville jusqu'au palais. Je l'ai vu, de mes yeux vu, répéta la corneille. Ceux qui attendaient leur tour dans la rue eurent le temps d'avoir faim et soif. Les plus avisés avaient apporté des provisions. Ils se gardaient bien de les partager avec leurs voisins. Que leur langue se dessèche, pensaient-ils. Comme cela, ils ne pourront pas dire un mot à la princesse. Mais Kay, le petit Kay, demanda Gerda. Quand parut-il? Était-il parmi la foule? Attends, attends donc, reprit la corneille. Tu es trop impatiente. Nous arrivons justement à lui. Le troisième jour, on vit s'avancer un petit bonhomme qui marchait à pied. Beaucoup d'autres venaient à cheval ou en voiture et faisaient les beaux seigneurs. Il se dirigea d'un air gai vers le palais. Ses yeux brillaient comme les tiens. Il avait de beaux cheveux longs, mais ses habits étaient assez pauvres. Oh, c'était Kay, bien sûr, s'écria Gerda. Je l'ai donc retrouvé. Il portait sur son dos une petite valise. Oui, c'était son traîneau avec lequel il partit sur la grand-place. Cela peut bien être, dit la corneille. Je ne l'ai pas vu de près. Ce que je sais par mon fiancé, qui est incapable d'altérer la vérité, c'est qu'ayant atteint la porte du château, il ne fut nullement intimidé par les Suisses, ni par les gardes aux uniformes brodés d'argent, ni par les laquais tout galonnés d'or. Lorsqu'on voulut le faire attendre au bas de l'escalier, il dit « Merci, c'est trop ennuyeux de faire le pied de grue. » Il monta sans plus attendre et pénétra dans les salons illuminés de centaines de lustres. Il n'en fut pas ébloui. Là, il vit les ministres et les excellences qui, chaussés de pantoufles pour ne pas faire de bruit, encensaient le trône. Les bottes du jeune intrus craquaient affreusement. Tout le monde le regardait avec indignation. Il n'avait pas seulement l'air de s'en apercevoir. C'était certainement Kay, dit Gerda. Je sais qu'au moment où il disparut, on venait justement de lui acheter des bottes neuves. Je les ai entendues craquer le jour même où il partit. Oui, elles faisaient un bruit diabolique, poursuivit la corneille. Lui, comme si de rien n'était, marcha bravement vers la princesse qui était assise sur une perle énorme, grosse comme un coussin. Elle était entourée de ces dames d'honneur qui avaient avec elles leurs suivantes. Les chevaliers d'honneur faisaient cercle également. Derrière eux se tenaient leurs domestiques accompagnés de leurs grooms. C'étaient ces derniers qui avaient l'air le plus imposant et le plus rébarbatif. Le jeune homme ne fit même pas attention à eux. Ce devait pourtant être terrible de s'avancer au milieu de tout ce beau monde, dit Gerda. Mais finalement, qui a donc épousé la princesse? Ma foi, si je n'étais pas une corneille, c'est moi qui l'aurais pris pour mari. Il parla aussi
spirituellement que je puis le faire quand je parle la langue des corneilles. Mon fiancé m'a raconté comment l'entrevue se passa. Le nouveau venu fut gai, aimable, gracieux. Il était d'autant plus à l'aise qu'il n'était pas venu dans l'intention d'épouser la princesse, mais pour vérifier seulement si elle avait autant d'esprit qu'on le disait. Il la trouva charmante et elle le trouva à son goût. Plus de doute, dit Gerda, c'était Kay. Il savait tant de choses, même calculer de tête avec des fractions. Écoute, ne pourrais-tu pas m'introduire au palais? Comme tu y vas, reprit la corneille, ce que tu me demandes là n'est pas facile. Cependant, je veux bien en aller causer avec mon fiancé. Il trouvera peut-être un moyen de t'introduire. Mais je te le répète, jamais une petite fille comme toi et sans souliers n'est entrée dans les beaux appartements du palais. C'est égal, dit Gerda. Quand Kay saura que je suis là, il accourra à l'instant me chercher. Eh bien, allons, dit la corneille. Le château n'est pas loin. Tu m'attendras à la grille. Elle fit à l'enfant un signe de tête et s'envola. Elle ne revint que le soir assez tard. Rare, rare, dit-elle. Bien des compliments pour toi de la part de mon bon ami. Il t'envoie le petit pain que voici. Il l'a pris à l'office où il y a tant et tant de pain parce qu'il a pensé que tu dois avoir faim. Quant à entrer au palais, il n'y faut pas penser. Tu n'as pas de souliers. Les gardes chamarrés d'argent, les laquais vêtus de brocart ne le souffriraient pas. C'est impossible. Mais ne pleure pas. Tu y entreras tout de même. Mon bon ami, qui est capable de tout pour m'obliger, connaît un escalier dérobé par où l'on arrive à la chambre nuptiale et il sait où en trouver la clé. La corneille conduisit l'enfant dans le parc par la grande allée, et de même que les feuilles des arbres tombaient l'une après l'autre, de même, sur la façade du palais, les lumières s'éteignirent l'une après l'autre. Lorsqu'il fit tout à fait sombre, la corneille mena Gerda à une porte basse qui était entrebâillée. Oh, que le cœur de la fillette palpitait d'angoisse et de désir impatient! Elle s'avançait dans l'ombre furtivement. Si on l'avait vue, on aurait supposé qu'elle allait commettre quelque méfait. Et cependant, elle n'avait d'autre intention que de s'assurer si le petit Kay était bien là. Elle n'en doutait presque plus. Le signalement donné par la corneille ne lui paraissait pas applicable à un autre. Les yeux vifs et intelligents, les beaux cheveux longs, la langue déliée et bien pendue, comme on dit, tout lui désignait le petit Kay. Elle le voyait déjà devant elle. Elle se le représentait, lui souriant comme lorsqu'ils étaient assis côte à côte. Comme il va se réjouir de me revoir, pensait-elle. Comme il sera curieux d'apprendre le long chemin que j'ai fait à cause de lui. Et qu'il sera touché de savoir la désolation qui a régné chez lui et chez nous lorsqu'on ne l'a pas vu revenir. Elles montèrent l'escalier. En haut se trouvait une petite lampe allumée sur un meuble. La corneille apprivoisée était sur le sol, sautillant et tournant coquettement la tête de côté et d'autre. Gerda s'inclinant, lui fit une belle révérence, comme sa grand-mère lui avait appris à le faire. Ma fiancée m'a dit beaucoup de bien de vous, ma petite demoiselle, dit la corneille. Vos malheurs m'ont ému, et j'ai promis de vous venir en aide. Maintenant, voulez-vous prendre la lampe? Je vous montrerai le chemin. N'ayez pas peur, nous ne rencontrerons personne. Il me semble, dit Gerda, qu'il vient quelqu'un derrière nous. On voyait en effet se dessiner sur la muraille des ombres de chevaux en crinière flottante, aux jambes maigres, tout un équipage de chasse, des cavaliers et des dames sur les chevaux galopants. Ce sont des fantômes, dit la corneille. Ils viennent chercher les pensées de leurs altesses pour les mener à la chasse folle de rêve, des rêves. Cela n'en vaut mieux que mieux pour vous. Le prince et la princesse se réveilleront. Excusez-moi. Le prince et la princesse se réveilleront moins aisément et vous aurez le temps de les mieux considérer.
Je n'ai pas besoin de vous dire que si vous arrivez aux honneurs et aux dignités, nous espérons que vous montrerez reconnaissante envers nous. Cela s'entend de soi, dit la corneille rustique. On voyait bien par ces mots qu'elle n'était guère civilisée et n'avait pas l'expérience des cours. Elles arrivèrent dans une première salle dont les murs étaient tendus de satin rose brodé de fleurs. Les rêves y passèrent, sans revenant au galop, mais si vite que Gerda n'eut pas le temps de voir les pensées de leurs altesses qu'ils emmenaient. Puis elles entrèrent dans une autre salle, puis dans une troisième, l'une plus magnifique que l'autre. Oui, certes, il y avait de quoi perdre sa présence d'esprit en voyant ce luxe prodigieux, mais Gerda y arrêtait à peine les yeux et ne pensait qu'à revoir Kay, son compagnon. Les voici enfin dans la chambre à coucher. Le plafond en cristal formait une large couronne de feuilles de palmier. Au milieu s'élevait une grosse tige d'or massif qui portait deux lits semblables à des fleurs de lys. L'un blanc, où reposait la princesse, l'autre couleur de feu, où reposait le prince. Gerda s'en approcha, sûre d'y trouver son ami. Elle releva une des feuilles jaune-rouge qu'on rabaissait le soir. Elle vit la nuque du dormeur, dont les bras cachaient le visage. Elle crut reconnaître cette nuque légèrement brune, et elle appela Kay par son nom, tenant la lampe en avant pour qu'il la vît en ouvrant les yeux. Les fantômes du rêve arrivèrent au triple galop, ramenant l'esprit du jeune prince. Il s'éveilla, tourna la tête. Ce n'était pas le petit Kay. Il ne se ressemblait que par la nuque. Le prince ne laissait pourtant pas d'être un joli garçon. Voilà que la princesse avança sa gentille figure sous les feuilles de lys blanches et demanda qui était là. La petite Gerda, sanglotant, resta un moment sans répondre. Ensuite, elle raconta toute son histoire et n'omit pas de dire notamment combien les corneilles avaient été complaisantes pour elle. Pauvre petite, fit le prince et la princesse attendrie. Et ils complimentèrent les deux braves bêtes, les assurèrent qu'ils n'étaient pas fâchés de ce qu'elles avaient fait contre toutes les règles de l'étiquette, mais leur disant qu'elles ne devaient pas recommencer. Ils leur promirent même une récompense. Voulez-vous un vieux clocher ou préférez-vous être élevé à la dignité de corneille de la chambre, qui vous donnera droit sur tous les restes de la table? Les corneilles s'inclinèrent en signe de reconnaissance et leur demandèrent à être rattachées au palais. Dans notre race, dirent-elles, la vieillesse dure longtemps, et par ce moyen nous serons sûrs d'avoir de quoi vivre dans nos vieux jours. Le prince sortit de son lit et y laissa reposer Gerda. C'est tout ce qu'il pouvait faire pour elle. L'enfant joignit ses petites mains. Dieu, murmura-t-elle avec gratitude, que les hommes et les bêtes ont de la bonté pour moi. Puis elle ferma les yeux et s'endormit. Les rêves accoururent vers elle. Ils avaient la figure d'ange du bon Dieu. Ils poussaient un petit traîneau où était assis Kay, qui la regardait en souriant. Mais quand elle s'éveilla, tout avait disparu. Le lendemain, on l'habillait de la tête aux pieds, de velours et de soie. La princesse lui proposa de rester au château pour y passer sa vie au milieu des fêtes. Gerda n'eut garde d'accepter. Elle demanda une petite voiture avec un cheval et une paire de bottines pour reprendre son voyage à travers le monde à la recherche de Kay. Elle reçut de jolies bottines et de plus un manchon. Lorsqu'elle fut au moment de partir, elle trouva dans la cour un carrosse neuf tout en or, armorié aux armes du prince et de la princesse. Les coussins étaient rembourrés de biscuits. La caisse était remplie de fruits et de pain d'épices. Le cocher, le groom et le piqueur, car il y avait aussi un piqueur, avaient des costumes brodés d'or et une couronne d'or sur la tête. Le prince et la princesse et le excusez-moi, le prince et la princesse aidèrent eux-mêmes Gerda à monter en voiture et lui souhaitèrent tout le bonheur possible.
La corneille des bois, qui avait épousé son fiancé, l'accompagna et se plaça au fond de la voiture, car cela l'incommodait d'aller à reculons. La corneille apprivoisée s'excusa de ne point faire la conduite à Gerda. Elle ne se trouvait pas bien disposée. Depuis qu'elle avait droit à toutes les miettes de la table, elle avait l'estomac dérangé. Mais elle vint à la portière de la voiture et battit des ailes lorsque l'équipage partit. Adieu, adieu, mignonne, dirent le prince et la princesse. Et la petite Gerda pleurait, et la corneille pleurait. Bientôt, on eût fait 3 lieues. Alors la corneille des bois prit aussi congé. Comme elle était une simple campagnarde, elle s'était vite attachée de cœur à la petite, et cela lui faisait grand-peine de la quitter. Elle vola sur un arbre, et là elle battit des ailes aussi longtemps qu'elle put apercevoir le carrosse qui brillait comme un vrai soleil. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, et on se retrouve demain pour la suite de La Reine des Neiges. Et d'ici là, portez-vous bien!